Il n'y a pas tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement un petit peu particulier. Une première en Belgique qui va être un marathon de 48 heures de streaming vidéo qui va se tenir à partir de ce jeudi 17 mars 18h jusqu'au samedi 19 mars à 18h. Alors le but de ce marathon est de lever des fonds pour le Télévie. Le Télévie, c'est une organisation caritative en Belgique qui lutte contre la leucémie et le cancer chez l'enfant et l'adulte. Alors ce marathon est organisé par les Players du Dimanche, Shimu Gaming et ma maison de rétro gamer. Alors dans ce marathon, ce que vous allez retrouver sont des guests, donc ce soit des sportifs, des animateurs radio, TV, des youtubeurs reconnus. Il y aura des défis aussi, il y aura des cadeaux tels que des jeux, des press kits ou des consoles, ceci en fonction des dons et des paliers atteints. Différents jeux vont vous être présentés. Il va y avoir du Rocket League, du Super Mario Maker, de le NBA 2K16, du WWE 2K16, du League of Legends, du Hearthstone. Alors, pour vous expliquer un petit peu mieux le programme, je vais vous dire dans le désordre ce qui va se passer. Le 19 du 3, de 10h à midi, vous allez avoir 3 catcheurs belges qui vont être présents pendant 2 heures pour répondre à vos questions, pour vous parler un petit peu de leur métier, voir ce qui se passe un petit peu dans le monde du catch, qui ça touche énormément de jeunes aussi, hein. Donc le 19 mars, de 1h du matin à 6h, vous allez avoir Pickward. Alors Pickward, c'est un streamer franco-belge avec 63 000 abonnés. Il va vous présenter, il va jouer sur League of Legends et Binding of Isaac. Le 18 du 3, de 13h à 15h, vous aurez le Ludus Libre. Le Ludus Libre, c'est un collectif de rappeurs belges qui seront présents. Le 19 du 3, de 9h à 10h, Akinari contre Daraster, qui sont des champions belges de Pokémon, qui vont tenter, on va voir par rapport à un combat, qui sera le champion Pokémon Télévie. C'est une première. Le 17 du 3, de 22h à minuit, vous aurez le Super Smash Bros. Télévideo Games Cup. Donc c'est une première aussi en Belgique, où là vous allez avoir 4 gamers, 4 différents champions belges qui vont s'affronter sur le Super Smash Bros. Sur Wii U. Donc il y aura Taoufik, il y aura Dash Prof, Tellar et Angel Fils. Le 18 du 3, de 18 à 19h, vous allez avoir The Gamers. Donc il y aura aussi des filles qui vont être là. Le 18 du 3, de 22h à minuit, vous aurez Davido David, qui a plus de 15 000 abonnés, qui jouera sur Hearthstone. Le 18 du 3, de 20h à 22h, vous aurez Matt fait ses films. Alors Matt fait des films, c'est quoi? C'est un youtubeur qui a plus de 139 000 abonnés. En même temps, mais là de 21h à 22h, vous aurez David Antoine. David Antoine, c'est un présentateur sur une radio locale, enfin radio locale, radio nationale, qui est Radio Contact. Et enfin, le 18 du 3, de minuit à 2h du matin, vous aurez Banzai TV, 453 000 abonnés pour ce youtubeur français. Alors je vais vous demander si vous pouvez faire suivre cette vidéo un maximum. Vous aurez les liens pour le Twitch, pour le live, directement en dessous dans ma vidéo. Et une seule chose, les gamers ont du cœur, c'est ce qu'on essaye de faire avec, en tout cas c'est ce que les organisateurs essayent de faire avec cet événement, car le but est de faire gagner la vie, car il n'y a qu'un seul game over pour nous. Donc si on pouvait, c'est d'avoir un maximum de dons lors de cet événement pendant ces 2 jours, ce serait merveilleux. Une nouvelle fois, c'est pour lutter contre la leucémie, le cancer, c'est au profit du Télévie. Donc n'hésitez pas, faites suivre cette vidéo et suivez l'événement. Bonne journée, au revoir, bonne soirée.